L'apôtre Paul a donc commencé une phrase assez longue et lourde de sens au niveau théologique. Il parle que nous avons la rédemption, le rachat, et le rachat à un prix, c'est par le sang, que nous avons le pardon des péchés, c'est évidemment lié avec le sang, mais le pardon des péchés, c'est selon la richesse de sa grâce. Dieu est riche, il est riche en amour, il est riche en bonté, une grâce est un don, c'est une faveur imméritée. Eh bien, selon la richesse de sa grâce, Dieu accorde le pardon des péchés, il l'offre, il le donne. Et il continue au verset 8 en disant que cette richesse de grâce, eh bien Dieu a répandu abondamment sur nous. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous. Non seulement il y avait le mot riche ici, c'est une richesse, ça parle déjà d'abondance, mais l'apôtre Paul ne se contente pas de dire que Dieu est riche en grâce, mais il dit que cette richesse de grâce que Dieu a, il la partage, il la donne, et il ne la donne pas un peu, il la donne beaucoup. Souvenez-vous, nous sommes bénis de toute bénédiction, il donne beaucoup de sa grâce, et il insiste en disant, c'est en abondance, il l'a répandu abondamment sur nous. Il y a donc ici trois entités, il y a Dieu, il y a Jésus, souvenez-vous, ça commence par « en lui » et il y a nous. Dieu qui est rempli de grâce, qui est riche en grâce, eh bien a répandu, a distribué de cette grâce sur nous en Jésus. Donc c'est Dieu qui agit et c'est par Jésus que ces choses se font. C'est en lui que nous avons reçu sa grâce et abondamment selon la richesse de sa grâce. Donc, le rachat de nos péchés, le pardon de nos péchés se manifeste par grâce, avec amour et avec abondance. Alors prenons le temps aujourd'hui simplement de méditer sur ces choses et de réaliser que Dieu qui est riche en grâce ne garde pas ces choses pour lui, n'est pas là égoïste, mais le répand avec amour et pas un peu, mais en abondance. L'apôtre Paul dit qu'on a été béni de toute bénédiction et nous avons vraiment tout reçu en lui parce que Dieu, qui est un Dieu riche, est celui qui donne avec abondance. Alors aujourd'hui, sachons lui rendre grâce, le remercier et lui dire merci pour l'abondance que nous avons reçue en Jésus. Et ne sous-estimons jamais l'abondance que nous avons reçue en Jésus. En Jésus, nous n'avons pas reçu un petit don, mais nous avons été bénis abondamment selon la richesse de sa grâce. Et Dieu a répandu abondamment sur nous toute sa faveur, toute sa grâce. Et nous continuons demain avec la suite de ce verset.